Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Ado TV. Aujourd'hui, nous aurons à débattre de Ado Mag. Bonjour Faki. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Oui, Karl, on dit quoi? Ah, ça bouge, hein? Comment ben? Toujours en forme. Ouais. Alors, Faki, après avoir lu Ado Mag spécial numéro 1, tu as retenu quoi? Dis-nous, on veut savoir. Ce que j'ai retenu est que le WhatsApp, c'est vraiment une appli géniale. Mais il ne faut pas abuser, jusqu'alors aller sécher les cours pour juste profiter de ça. Ce n'est pas bien et ça nuit beaucoup à certains élèves. Mais tu parlais de quelqu'un qui avait surpris ses élèves en train de faire du WhatsApp. Oui, c'est devant... M. Sakomi. Ah oui, le fameux Sakomi. Oui, oui, bien sûr. Okay. M. Sakomi qui aime toujours se mêler de tout, le grand M. Oui. Sakomi. Donc, il a surpris ses trois élèves en train de faire du WhatsApp vers un cybercafé en séchant les cours. Il est parti et ils se sont disputés un peu. Après, quand les enfants ont su que c'était le grand M. Sakomi, ils se sont remis à lui. Mmh. M. Sakomi les a donné des conseils. Ensuite, ils sont partis à l'école pour continuer les cours. OK. Comme vient de dire Faki, il ne faut pas passer ce temps à rester connecté sur WhatsApp ou bien d'autres applications. Il faut étudier. L'école, c'est vraiment important pour nous, les ados, pour réaliser nos rêves. Faut pas qu'on oublie ça. C'est vraiment important. D'autant plus que les parents se démènent pour nous offrir un avenir radieux. Campbell, après avoir lu spécial numéro 1 de Ado Mag, tu as retenu quoi? Dis-nous, on veut savoir. Après avoir parcouru à Beaumont, mon attention a été fixée sur la planification des activités scolaires et la préparation du succès à l'école. Donc, il y a quatre choses. La planification des activités, l'importance du sommeil, les différents types de mémoire et les rôles des parents. Alors, dans la planification des activités, je vous lis une phrase. Il doit pour cela considérer les activités domestiques, les activités scolaires, les loisirs, les moments de détente, le temps de sommeil. N'oublions pas aussi l'importance du sommeil. Alors, un sommeil sain permet de maintenir par sa qualité et sa durée un état d'alerte optimal. N'oublions pas aussi les différents types de mémoire. Nous avons des mémoires visuelles. Alors, tout le monde doit savoir quelle mémoire il possède. N'oublions pas aussi le rôle des parents. Là, je vous lis carrément. Les parents jouent divers rôles, à savoir celui de facilitateur en laissant le temps à l'élève d'effectuer tout ce qui lui est nécessaire pour la bonne marche de ses études. Ils sont également des conseillers pour leur enfant car à eux de guider les pas de l'élève. Les parents doivent également jouer le rôle de contrôleur pour leur enfant. De tout ce qui précède, il sort que plusieurs facteurs se conjuguent pour assurer à l'élève sa réussite. L'élève doit donc s'efforcer de cultiver et de réunir tous ces facteurs. Voilà par l'homme. Pour résumer, il faut avoir son emploi du temps personnel, emploi du temps de l'école, de la maison pour ne pas être surchargé. Il ne faut pas oublier le sommeil qui est très important. Le sommeil, il ne faut pas passer ses nuits à jouer ou bien regarder des vidéos. Alors, il faut passer ses nuits à dormir pour être radieux le matin. Chacun doit connaître son type de mémoire pour savoir comment étudier. Là, c'est vraiment important. On dit un grand merci à nos parents. Et je pense qu'un jour, on va recevoir nos parents sur ce plateau. Donc, pour du coup, c'est tout. C'est tout ce que Campbell vient de dire que j'ai résumé comme ça. Et Karl, qu'est-ce que tu as retenu? On veut savoir. Ce qui a retenu mon attention, c'est le coin anglais. C'est très important parce que en tant qu'ado, on parle anglais, mais pas couramment comme ça, quoi. Surtout puisque c'est pas tout le monde qui parle anglais aujourd'hui. On essaie de bricoler des... Donc, l'anglais maintenant est presque parlé dans tout le monde entier. Donc, si tout le monde essaie d'introduire l'anglais dans ces sortes de magazines pour ados comme nous, nous pouvons nous exercer et nous améliorer. Donc, je vous rappelle encore une fois que Ado Mag n'est pas seulement pour se divertir, mais aussi pour apprendre. Tout le monde parle anglais ici, j'espère. Alors maintenant, chacun d'entre vous va me donner un mot en anglais. Au revoir. On commence par toi-même. Ah ouais, dis good morning.
Dans le tout, elle m'a dit goodbye. Moi, je dis toujours, where are you going? Donc, moi, je vais dire, I like Ado TV. Ok, we like aussi. Vous avez commencé comme vient de dire, c'était pas assez difficile, c'était juste pour être dans l'humour. Dans cette partie, moi ce que je voudrais quand même soulever, c'est l'importance d'apprendre l'anglais. On peut toujours s'exercer, à force de s'exercer, on s'améliore. Oui, donc, ça c'est comme le faire. On va continuer de s'améliorer. Oui. L'anglais, bon, l'anglais se parle maintenant partout, presque partout dans le monde. Oui. Donc, j'aimerais aussi ajouter que Adomag est partout et peut-être dans les prochaines émissions, nous aurons à faire l'émission en anglais. Pourquoi pas? Ou bien, d'ici là, tout sera évité. Donc, d'ici là, on va apprendre à parler le bon anglais, à s'exercer et on verra. Ok, les amis, on dit au revoir à nos chers amis de Ado TV. Ok, au revoir. À la prochaine.